c'est de mes camarades, toi tu écoutes les radios gnafoun, c'est pour ça que toi-même ta vie est devenue gnafoun. Moi, j'écoute RNF sur la radio FM Adji chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est une heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 203, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Awal Bazakan, Gandia Saïtonik, Zumbete Zumbete Dalam Poundai. Intibes, Intibes, oh Intibes. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'es forcé à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh, mon cœur je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sitson Alguéui, le Danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agui FM avec le phénomène R9 Danza. Nicolas est à la technique, Bifor, Gus le Juste à la caméra, Herman à la photographie. Bonne arrivée à vous, la famille. À l'affiche de cette nouvelle session de l'émission Musique Promo, nous recevons N2A qui nous parlera de son concert citoyen prévu pour le 16 décembre au Centre des Jeunes Don Bosco, mais pas seulement. Renzo Brown viendra nous présenter son nouveau single estampillé Hop, sorti le 8 décembre 2023 sur toutes les plateformes de streaming. Le jeune talent EA, de retour au pays, nous présentera en exclusivité son nouveau single « Mon Essentiel ». Mais comme vous le savez, en toute première partie d'émission, le pouvoir est à la musique. Sa Majesté le Salazar, le petit garçon de Doba, on en voit. Papa God, mets la main dans les poches. Papa God, farote-moi les bénédictions. Les contrats, les promotions, on voit seulement. Papa, je peux pas refuser. Non, tu peux doubler ou tripler, ça peut comme tu es. Donc envoie seulement, envoie seulement. Ah, les belles voix, tu les vis là. Envoie seulement. Héros, c'est pas tout là. Envoie seulement. Santé, succès, mariage. Envoie seulement. Hey, une villa, ça Bengali, envoie. Même si c'est sans piscine, ça me va. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais au moins du chocolat. Il faut donner le bif à l'ami, fais le kiff à l'équipe et le deal à la team. Et le bim à mes big et la vie à mes dreams. Et la vie que je kiffe, c'est le petit garçon de Doba. Papa God, mets la main dans les poches. Papa God, farote-moi les bénédictions. Les contrats, les promotions, on voit seulement. La Mercedes, papa, je peux pas refuser. Non, tu peux doubler ou tripler, ça peut comme tu es. Donc on voit seulement. Je
je vais choix, les épargnes, je vais noyer les vieilles fleurs dans le coin. Je reste soit curé, soit je vais walk, je vais jouer des adroits, papa, quoi, quoi. Moi, je suis le roi, c'est ma loi. Voilà les villas, les velas, ravelas, c'est ce que j'ai voulu, voulu, pas de voler, que des vols en business jusqu'à N'Djamena. Béni comme Pandéna, vision comme Mandela. Alhamdoulilah. Allez-y, dis-la, ceux qui doutent qu'on n'est pas venu s'amuser. Papa God a validé, donc personne peut nous arrêter. En vrai, Seigneur, si tu me fais le dépôt, n'oublie pas d'envoyer les frais de retrait. No, no, bah, on quit, dumb, 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 well. On voit seulement le titre, belle collaboration entre MBH, le petit garçon de Doba, et le rappeur ténor du Cameroun. MBH qui signe son retour dans le game après un moment de silence est désormais sous la production de King Julian 13. Restons toujours dans l'univers des collaborations. Voici le groupe Bouclier et en featuring MN Lundo. Wasala, Anthony Wasala, Anthony Wasala, eh. Wasala, Anani Dura Wasala, Anani Dura Wasala, oh. Wasala, Suba Ajala Wasala, Ajala Ajala, eh. Wasala, Nashibuta wa Wasala. Wasala, eh, wasala, anina iyal njemena, manu duru saro izama, zama, saro zama, marakam ayorona, jorjorona, chachona, fihakina, akorona, siminam, patashnam, diginam, shibnam, kalam duas mayam, fabas khalinam, wasala, eh, wasala, eh, ille finjemena, mashet duara ya unde, maligita wasala, wasala, eh, wasala, eh. Balaya managar ashandani hiba jamena na kulube wasala o wasala obe wasala ni wasala ah wasala we wasala ana ni dura wasala ni dura wasala o wasala suba ajala wasala ajala ajala we wasala nashibuta wa wasala. Balaya managa, Anthony wasala beja, wasala de hine, emelunduri kula gai, bukule de hine, wasala wasala akila wasila zida mapa zida shete, lambda kulu amsa matama, ana hasapta, vije konte suba katiri shan yoma karneti, yoma karneti, kamafi batan mati shifni. Le client est roi, après wasala, de le je bois. Tu restes au magat salim pour boire. Gal Dieu pour tous, chacun pour soi. Wasala, Anthony Wasala. Et ça swing, ambiance easy, mets-toi dans le style et laisse-toi emporter. Toi-même tu sais, Wasala, le titre, le groupe Bouclier qui fait appel au créateur MN Lundouré sur ce titre. Le groupe Bouclier est composé de Samset, Guy Boss et de Clams qui se trouve actuellement en Martinique. Yo yo la famille, ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le P, le K. Salam familia, ici c'est LT. One two, one two, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. I'm bombing, gotta go, gotta go, bombing, gotta go.
Arrête de boire les produits frais la terre. Rends-toi utile dans ta société. Tu sais que sur toi la famille peut compter. Mais pourquoi tu peux pas te passer de sachet? Un bon mingerek, un gerek, un bon mingerek. Pas un gerek, un gerek, un bon mingerek. Pas un soupe, un gerek, un gerek, un gerek. Abo Alexi, mi en a dit. Un gerek, un gerek, un gerek. J'ai donné mi abé. Il faut qu'ils arrêtent de consommer les produits frais la terre. Avenir de la tirée, ma diaspora la peau. Il connaît les courants qui le journal que les journaux et les noms. Adouma India, R9, Grandi, Oyoala, Zephyre, Monoapia, Marius, Robson, Ricardo, Imbel. Rotube, Ngereg le titre, Rice Kim, EDM, le Bunda Boss, l'artiste. Notez dans vos agendas dimanche prochain, justement pour être précis. Dimanche 17 décembre 2023, Rice Kim sera notre invité. Faites passer le message. Toutes les belles musiques au pays de Touma, mais pas seulement. Voici le jeune talent Yaba sur ta radio. Asama Yaba. Tala, 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 tala. Le gars a invité sa copine pour une soirée spéciale. Sa copine a invité ses amis. Elle aussi, il a sorti un 10 000. C'est fini. Il a sorti 20 000. C'est fini. Il a sorti 50 000. C'est fini. Le gars a tué à sa copine. Bébé, béton rentré. Sa copine est guette en question. Il n'a pas l'air de rentrer. Yo, mais, entre ta gars, son entrée. C'est l'homme du jour de la vie. Yo, mais, du coup, il avait un clin d'œil. Benana, pour continuer la suite de la soirée. Yo man, c'est là où les gens ont mis le sort. Tala, 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 tala. Voici une nouvelle histoire. Ah bon? Tu viens de naître, le gars a invité sa copine. Non. Il était juste le meilleur de la soirée, hein? Malgré le gars est resté incompris, hey. En voulant doubler la copie de son ami, hein? Il a envoyé une bière, deux bières, bon. Il a envoyé trois bières. Ah bon? Bon. Comme ça, finalement, il a tapé auto, hey. Il a commencé à danser dala. Ah. Dala, dala. Il vient de commettre ce nouveau son, le jeune talent Yaba, Dala le titre, sorti le 24 novembre 2023, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez streamer. Notre premier invité du jour était Blancia, engagé pour des causes sociales. Le résistant NDSA est à la maison, il s'exprimera tout à l'heure. Faites un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. Faites un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. On est vraiment fatigué, donc on est vraiment fatigué. Bro, c'est trop tarawalaï, Anagé Bagdad, je supporte ma fille. On est vraiment fatigué, le cri de la résistance. Double debout, ta liberté naîtra vraiment de ton courage. Pour ta dignité, debout, pour ton respect, debout, pour ta patrie, debout, debout pour ta liberté. Faites un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. Faites un appel à la résistance, il faut couper la résilience. Épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. Révolution égale sacrifice, on est désormais debout.
on ne peut plus véhiculer. Voilà, en cas où moi si pastara, tout ferait bien ou mourir. Ça c'est vraiment notre devise. On est fatigué de vous regarder. D'autres côtés sont protégés. Ici on est abandonné. L'autre côté sont armés. Ici on est vraiment désarmé. L'autre côté favorisé. Ici nous on est vraiment abandonné. Trop c'est trop tard. On est vraiment décidé. Il faut de la résistance. Peuple debout pour la résistance. Vous avez les armes, mais nous on a la masse. Pour l'amour de la patrie, c'est un appel à la résistance. Il faut couper la résilience. Épouser la résistance. Le pays a besoin de délivrance. C'est un appel à la résistance. Il faut couper la résilience. Épouser la résistance. Le pays a besoin de délivrance. Nous sommes tous stadiens. Y'a pas d'original ni de photocopie. Nous méritons les mêmes traitements. Arrêtons les divisions pour éviter les frustrations. Écoutez le peuple, car c'est la seule voix qui triomphe. Blancia. Ne bougez surtout pas, N2A est à la maison. N2A, vous n'arrivez. So salmou, hagué, ferme, plaçon, anakourou, so salam, anafoudi, anasie, complet. Je suis très content d'être là à la maison. Comment tu vas, N2A? Je vais très bien, mon frère Garangi. N2A, tu dis dans cette chanson, je cite, c'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience, épouser la résultante, le pays a besoin de délivrance. À l'heure où toutes les voies convergent à une réconciliation nationale, est-ce que le pays a encore besoin urgemment d'une délivrance? Le pays a certainement besoin d'une délivrance parce qu'il faut que les mentalités changent. Parce que tant que les mentalités ne changent pas, je pense que toutes les procédures entreprises ne vont en fait nous amener nulle part. Il faut vraiment en fait cette délivrance de mentalité, il faut vraiment faire cette délivrance de conscience pour que tous les efforts fournis puissent vraiment en fait arriver au point nommé. Passer à une décolonisation mentale, l'acceptation de l'autrui qui jusqu'à là reste un problème très crucial. Très bien. Nous connaissons ce que c'est la politique, les hommes politiques, N2A. Que dis-tu pour toutes celles et ceux qui continuent encore à mettre le cœur, les organes sur les choses politiques? Moi, je pense que ça dépend également en fait, de comment en fait, la personne essaie en fait, de prendre ce qu'on appelle en fait, la chose politique. Parce que moi, déjà, en fait, je ne veux pas trop me prononcer sur la question de la politique parce que je ne connais pas assez. Et je crois que c'est une génération qui est en train en fait, d'apprendre quelque chose qui est très important, qui s'appelle la politique. Et qui à eux maintenant en fait d'avoir une ouverture d'esprit, de dire que faire en fait d'avoir le sens de discernement et faire la part des choses, parce que tout ce que nous faisons, nous convergeons sur ce qui préoccupe tout le monde, qui s'appelle le changement. Donc avec des idées divergentes, mais accepter l'autre malgré sa position prise. Et c'est parce que je pense que quand tu revendiques le droit, il faut que tu respectes également le droit de l'autre. Raison pour laquelle tu dois en fait les idées divergentes doivent être acceptés, nous devons être tolérants dans nos prises de position, parce que c'est pas tout, on est 17 millions de la population, c'est pas tout le monde qui est censé réfléchir de la même manière et avoir les mêmes opinions. Et cette divergence là que nous devons en fait les converger vers ce que nous voulons, tout ce qui s'appelle le changement de notre pays. Oui. Donc pour les jeunes qui s'intéressent à la chose politique, moi je pense que il faut, oui, c'est bien de faire son choix, mais c'est important aussi de respecter le choix de l'autre, même s'il n'est pas en fait dans une même posture que toi, parce que c'est toute cette harmonie là qui fait ce qu'on appelle la vie. Et cette vie, nous la vivons au Tchad et nous voulons tous du bien du Tchad. Donc moi je pense que chacun essaie de faire en fait le combat de sa manière. Moi je le fais, mais si l'autre le fait autrement, je respecte, parce que c'est aussi sa position et c'est son droit. N2A, dans un monde où la musique est utilisée comme un moyen d'expression et d'engagement, penses-tu que l'artiste tchadien est vraiment écouté par ses gouvernants? Oui, il est écouté, parce que la preuve en est que moi, par exemple, c'est à travers une chanson que le gouvernement a interpellé, à travers une convocation. Donc, population record. Voilà, si seulement ce fait, si je n'étais pas écouté, je pense que tout cela n'allait pas arriver. Ça veut dire qu'à un moment donné, il prend le temps de nous écouter. Mais ce qui est important, c'est de faire usage de ce que nous disons dans nos chansons. C'est ça le plus important, parce que nous, normalement, on devait être plutôt des collaborateurs. Parce que nous portons la voix de ceux-là. Des choses qu'eux, ils n'ont pas en fait la chance de voir ça, mais nous vivons ça. Nous essayons en fait de juste mettre ça sur une bande sonore pour qu'eux, en écoutant, ils n'ont qu'à faire usage. Parce que ce que nous faisons, c'est un travail de communication. Et qu'eux, ils doivent nous considérer comme des collaborateurs, des gens qui sont proches de la population et qui prennent le problème de la population pour les transmettre.
Donc eux, ce qu'ils doivent faire, ils disent ok, population d'un corps, hein, passe ma corps. C'est faire la volonté du peuple, c'est tout ce que nous faisons. On aimerait avoir ta position sur le référendum. Est-ce ta prise de position est le oui ou le non? Oui, mon oui c'est pour la reprise des classes, mon oui c'est pour l'électricité, le bien-être. Je dis non à l'insécurité, je dis non en fait parce que les enfants sont à la maison. Moi je pense que je suis toujours plus en fait, du côté de la population et je vois sa priorité au fait. Le fleurcore que les gens font de oui ou non, moi je pense que c'est pas important. Alors là, les gens, dans un pays où les gens se soucient de l'avenir, d'avoir l'éducation, les enfants sont à la maison depuis un mois, mais les gens sont préoccupés par aller faire le oui ou le non. C'est pas ça l'urgence. Ce qui est urgent maintenant, il faut que les enfants partent à l'école. On a besoin d'électricité. Parce qu'on dit que l'électricité, c'est l'énergie. Quand un homme qui n'a pas l'énergie, tu ne peux pas travailler. Et quand le pays n'a pas l'énergie, les gens sont étonnés que le pays n'avance pas. Donc, c'est ça mon oui ou non. Et j'appelle les Tchadiens en tant que citoyen, c'est un devoir citoyen. Va prendre ta carte, va voter ton choix. Moi, j'ai mon choix à faire. Je n'ai pas imposé un choix à quelqu'un. À ce référendum. Moi, j'ai mon choix à faire. La population a son choix à faire. Donc, si tu penses que c'est important, c'est un devoir citoyen d'aller prendre sa carte parce que tu as voix contre. Va prendre ta carte, fais ton choix. Moi également, je ferai le mien parce que le devoir m'interpelle. Tu as quitté le pays après les événements douloureux du 20 octobre. Avant les événements douloureux du 20 octobre et tu as profité pour faire des tournées N2A en Afrique de l'Ouest. Qu'as-tu appris de leur mouvement citoyen? J'ai appris beaucoup de choses, raison pour laquelle les gens ils sont surpris de voir en fait, de mes analyses ces derniers temps. Ils disent que je n'ai pas la foule comme avant, que je n'ai pas. Tu t'es calmé, tu t'es assagi. Mais je me dis, mais oui, c'est l'effet de tout ce que j'ai appris. Parce que je pense que sérieusement, je suis dans un pays et il faut que je respecte en fait, les normes des choses. Il faut que je sois dans une posture où il y a des choses qui peuvent en fait, me protéger. Parce que je peux me lever en tant que citoyen. Bien que j'ai une arme qui est l'arme qui me protège, mais j'ai mes limites. Je faisais des choses par avant, en fait, je suis passé, en fait, c'est qui était en fait, dans mon calendrier. Vous voyez, mais heureusement qu'en fait, on est en face d'un pays, on est en face de nous, des gens qui nous comprennent également. Mais dès que j'ai appris, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en fait, dans des pistes vraiment dangereuses sans me rendre compte. Et j'ai la chance d'avoir cette formation de défenseur des droits humains. J'ai pratiquement 6 mois de formation. Donc, ça m'a vraiment en fait, rendu mûr et je ne suis plus ce va-t-en-guerre là où voilà, chaque fois il faut non. J'essaie de faire des analyses. Tu analyses. Voilà, j'ai fait des propositions, j'ai fait des contributions et puis j'ai fait de la dénonciation. Donc je me suis senti vraiment en fait fabriqué à zéro. Vous voyez, et puis passer ce temps à côté de ce sage artiste Tchiken, vous savez, les gens ne peuvent pas me comprendre, mais je suis quelqu'un qui a une vision. Je sais que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais ce que je dois être. Donc c'est après l'école, j'appelle ça une école parce que c'est un déplacement qui m'a vraiment en fait, aidé à faire la différence, à vraiment en fait, cerner les choses que je ne connaissais pas. Vous voyez? Et là, quand je parle en tant qu'un défenseur des droits humains qui connaît ce qu'il dit. Et puis je mesure mes mots parce que ça ne peut pas en fait, me porter préjudice. Voyez, après tourner dans un pays, il faut respecter les lois. Ouais, et je respecte les droits des autres parce que c'est parce que j'aime les humains que je défends les humains. Donc, naturellement, je suis appelé à être humain. Être humain, c'est quoi? C'est accepter l'autre malgré ses défauts, malgré ses qualités. Mais après tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population. N2A, tu nous fais une très belle transition. Justement, tu parlais de Tchiken Jafakoli, ta collaboration avec lui. On va écouter ce remix du titre, c'est dangereux. On écoute et on revient juste après. Merci. N2A featuring Tchiken Jafakoli et c'est maintenant sur ta radio. C'est dangereux, il y a danger. La femme écrasée. C'est dangereux, il y a danger. Reggae écrasée. C'est dangereux, il y a danger. Papa écrasé. C'est dangereux, il y a danger. Arrêtez-moi tout ça. C'est dangereux, il y a danger. Monsieur le Président, votre nom restera gravé dans l'histoire de ce pays. En bien ou en mal, c'est à vous de choisir. Entre l'amour et la colère du peuple, c'est à vous de choisir. Entre bénédiction ou malédiction, c'est à vous de choisir. Sortir tête haute, tête baissée, c'est à vous de choisir.
Laissez-moi venir, président. C'est dangereux, c'est dangereux, y'a danger. C'est dangereux, c'est dangereux, y'a danger. La bondocratie, tapis rouge et tout. Quand c'est ton peuple qui t'installe, ça devient tissant. Quand c'est contre sa volonté, évitons le pire en prenant de bonnes décisions. On reconnaît mon soldat par sa parole respectée. Kali tapis rouge, tchadji qui m'a vie. Kali français, tchadjou qui m'a vie. Ira et par le sang, finira par le sang, passe-moi. On se bat pas avec son peuple. C'est dangereux, y a danger. C'est dangereux, y a danger. Tu te bats contre un peuple qui t'a pas élu. Tu te bats contre un peuple que tu gouvernes. Un jour viendra, le peuple dira non, et tu remarqueras qu'il n'est pas avec toi. Un jour viendra, le peuple dira non, il n'aura pas le choix que de te balayer, balayer, balayer. C'est très dangereux, dangereux, ta décision là. C'est très dangereux, dangereux, sa décision. C'est dangereux, y a danger. S'accrocher au pouvoir. C'est dangereux, y a danger. Se battre des hormones. C'est dangereux, y a danger. Se maintenir par la force. C'est dangereux, y a danger. Dangereux remix N2A, l'artiste en featuring avec Chicken, Jaffa, Koli, toi-même tu sais. C'est dangereux, une incitation à l'action collective pour défendre les droits humains. N2A, raconte-nous comment était née cette collaboration avec Chicken Jaffa. Ouais, RNF, moi je pense que c'est un peu bizarre en fait, parce que même moi j'ai marqué. C'était un rêve pour moi, mais je savais pas qu'en fait c'est. Pour moi, ça ne devait pas se réaliser aussitôt, en fait, parce que dire que quand c'est ton idole qui fait le choix, en fait, qui prend en fait, l'initiative de collaborer avec toi, c'est quelque chose de très énorme, parce que je me retrouvais à Niamey après mon concert, juste après mon concert, que je reçois l'appel de Doré Bianca qui me dit « je vais te faire écouter un audio ». Et quand j'écoutais, en fait, c'était la voix de Chicken. Il dit ouais, est-ce que tu connais un artiste là, tchadien, qui est c'est dangereux, c'est dangereux, j'ai vu ça sur YouTube, mais je suis intéressé, est-ce que tu peux nous mettre en contact? Après Duré me dit, est-ce que tu sais c'est qui la voix de qui? Il dit c'est Awadi. Il dit non, pas Awadi. Il dit c'est Chicken Jaffa. Tu étais C'est-à-dire que j'étais j'avais pas de mots pendant en fait 5-10 secondes. Tu étais surpris. Il dit à Duré, comme avec lui on parle, à quoi on est un de libre qui est dans le tourment. Non, non, il éclate de lui, il dit mais c'est vrai ce que tu dis. Il dit, moi j'ai appelé Chicken pour mon projet et du coup il a fait dire qu'il a écouté une chanson d'un artiste, bien, c'est dangereux et il veut collaborer avec cet artiste. Il dit, mais comment tu penses que c'est Chicken qui dit? Il dit, oui, c'est Chicken Jaffa. Il dit, mais en tout cas, je te donne l'information, reste tranquille, on verra ce qui va se passer. J'étais revenu sur Cotonou et c'est là où j'ai reçu encore l'appel de Doré qui dit, bon, ce soir on serait en fait en appel, comment on appelle, conférence avec Chicken. Il dit, ah bon? Il dit, oui. À 16h, il m'appelle, après il dit bon, il va acheter Chicken, là, acheter Chicken. La première fois que j'ai écouté Bonjour l'artiste, j'ai reconnu la voix à travers les chansons. C'était énorme. Et on a discuté, il dit il aime bien la chanson, il veut en fait qu'on collabore ensemble. Voilà, voilà. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, lui, là, il est au Canada, il arrive sur Bamako. Dès qu'il est sur Bamako, il faut que je me déplace. C'est comme ça qu'il est arrivé à Bamako. Duré m'a fait appel, je me suis déplacé sur Bamako. J'ai passé au moins un mois chez lui, parce que chez lui c'est tout un quartier, donc il y a les studios, tout ce qui va avec. Mmh. On a travaillé au studio chez lui, et puis voilà, tu vois, c'est à un mois donné où je me dis que voilà, ça fait partie au fait d'une bénédiction divine, parce que moi il me dit que c'est une science, c'est encore petit, parce que c'est Dieu qui a vraiment en fait, écouté, en fait, qui a su comment en fait, me rapprocher de mon rêve. Parce que je me dis, j'ai pas fait de grandes choses pour pouvoir mériter cela. Parce que au Mali déjà,
vous savez, c'est les gens qui ont rarement l'habitude de collaborer avec les jeunes. Mais cette chance, moi, je pense que c'est Dieu qui a voulu me rapprocher de mon rêve et peut-être de concrétiser mon rêve à ce jeune âge. Je dis que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est remercier le ciel et remercier cette population qui me soutient toujours, parce que quand c'est dangereux sorti, ils ont fait assez de communication jusqu'à ça puisse, que ça puisse toucher les gens au-delà au fait de frontières. Voilà, donc je pense que c'est grâce à vous, grâce à tous ces communicateurs, grâce à tous ceux qui ont mis le maillot à notre profit. Donc c'est une victoire pour nous tous, parce que la raison pour laquelle c'est dangereux, ce titre ne m'appartient pas, c'est pour tout le monde. C'est pas pour un artiste tchadien, mais c'est pour toute l'Afrique entière. Donc je suis content pour ça, et moi je pense que c'est un miracle qui s'est réalisé, hein, parce que jusqu'à là, j'étais arrivé au Burkina, il y a un artiste qui cherchait des featuring avec Tchikin, c'est là 4 ans. Il n'a pas pu, il me dit comment toi tu as fait, moi je ne sais pas si c'est celui qui m'a cherché. Donc moi c'est Dieu qui a voulu que cela puisse se concrétiser. Et j'ai appris beaucoup de choses d'autre côté, déjà dans le domaine artistique. Déjà pour laquelle maintenant j'essaie de faire la lecture de ce qui est pas chez nous. Il y a des efforts qui se font, mais il faut qu'on se mette vraiment au travail. Parce qu'on a un travail à faire. Déjà améliorer notre art et vraiment faire ramener notre public à aimer ce que nous faisons. On a deux travaux à la fois, les artistes tchadiens. Convaincre son public à aimer ce que nous faisons. Parce que je me dis que naturellement, le tchadien n'a pas accepté ce qui l'appartient, qui est son art, qui est sa culture. On est dans une sensibilisation, dans une quête encore de public. Alors qu'ailleurs, ces artistes ont déjà ça. Ils ont le public. Parce que les gens ne quittent pas derrière le drapeau. Quand c'est pour eux, ils valorisent d'abord. Mais nous, on a deux travails. Faire notre art, les amener à aimer, et les amener à aimer ce que nous faisons, à aimer leur culture. Vous savez, amener le Tchadien à aimer sa culture et aimer ta musique. On a deux travails. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Raison pour laquelle je dis, il ne faut pas qu'on lâche le travail, parce qu'on a assez de choses à faire. Aujourd'hui, Dieu merci, je crois qu'il y a une jeune génération qui est en train de mettre le paquet. Mais c'est important que nous aussi, nous puissions en fait les montrer, les faire comprendre l'endurance de la chose, parce que c'est bon, le début est bon, hein, mais c'est une chaîne, tu vois, pour que tu arrives quelque part. Donc il y a toujours des zones de turbulence, mais essayer en fait, de booster ces jeunes, les faire comprendre comment il faut traverser les zones de turbulence, parce que tout n'est pas brillant. Hein. Il y a des moments où tu dis, mais pourquoi tu as choisi l'art? Mais tous ces moments-là, il faut que tu sois fort moralement pour accepter certaines choses. Il y a des moments où les gens peuvent te lyncher pour ne rien, mais accepter. Parce que les critiques font grandir aussi. N2A, aujourd'hui, quelle est ta vision de l'Afrique? Moi, je pense que j'ai fait une chanson qui devait sortir. Ce n'est pas sorti parce que tu m'as pas encore donné la permission. Gagnant-gagnant. Oui. C'est un titre. L'inspiration est arrivée quand je marchais dans la rue de Bamako avec la révolution africaine ces derniers temps. Je me dis, l'Afrique d'hier n'est pas comme celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout sur Internet. Je ne sais pas si les voisins on voit aussi. De toute façon, eux et leurs enfants, ils sont devant la télé en train de rire. Nous aussi, on veut rire de la même manière. Parce que les mentalités ont évolué. Les mentalités ont changé. Oui. L'Afrique d'aujourd'hui, moi, je pense que la jeunesse africaine est plus dupe. Tout le monde est éveillé. Tout le monde se préoccupe de l'avenir de son pays et de l'Afrique dans la généralité. Donc, moi, je pense qu'on a une bombe à retardement. Maintenant, on a lancé en fait les premières alertes. Qui à celui qui est concerné d'essayer de revoir sa lecture, sa façon de faire les choses, et comprendre que ce n'est plus l'Afrique d'hier où on peut duper à tout le monde, mais cette Afrique, c'est une Afrique qui est éveillée, qui est debout et qui veut changer les choses avec une jeunesse très consciente, avec des cerveaux qui sont encore neufs. Donc il faut qu'ils font attention, parce que moi j'ai de là, de Burkina, du Mali, Bénin, Togo, j'essaie en fait de faire des conférences, discuter avec les jeunes, j'essaie en fait de provoquer des réflexions, et je vois le raisonnement des jeunes. Je crois que nous, au Tchad actuellement, tu vois, même en fait, le côté quand tu arrives vers le rue de Carnet ou autre, tu vois, les discours des jeunes changent, parce que chacun essaie de s'impliquer dans la chose publique. Et c'est qu'on ne comprenait pas avant, alors que c'est ce qui nous appartient. Donc, c'est amené, en fait, tant que le jeune tchadien ou le jeune africain comprennent qu'un chef d'État, c'est son employé, c'est lui qui doit en fait honorer, c'est le chef d'État qui doit honorer notre volonté. Je pense que dès lors qu'on arrive à ce moment, les chefs d'État vont nous respecter, ils vont respecter nos préoccupations. Et je pense que l'Afrique sera vraiment grande avec des dirigeants qui seront choisis par nos côtés. N2A, ton actualité, c'est la date du 16 décembre 2023 au Centre des Jeunes de Moscou. C'est ton concert citoyen. Pourquoi un concert citoyen? Oui, je me suis rendu compte, Garandi, au fil du fait de mes tournées, j'ai appris en fait, la société civile, j'ai côtoyé des gens, des jeunes, des associations de jeunes
qui essaie en fait de faire dans le social. J'ai vu les mentalités en fait. Parce que les gens, ils ont ce langage là où quand ils parlent, pour terminer, ils font toujours leur drapeau. Hein. Ils parlent de leur pays. Et ils parlent de ce qui concerne les pays. Et ils sont prêts. Et ils sont fiers. Ils sont fiers et ils sont prêts à donner en fait toutes les disponibilités possibles pour un intérêt général. C'est ce qui est contraire chez nous parce que le bien tchadien, on l'a appris à aller faire le dongourou. Oui, le griotisme. Voilà, le griotisme, le manger. Moi, je trouve que, et là, il fait au détriment en fait du pays. Tu vois? Et raison pour laquelle je dis, mais pour arriver à ça, arriver à un pays sérieux, avec des jeunes sérieux, il faut vraiment en fait un changement de mentalité. Parce que du coup, beaucoup plus, il y a ceux qui se plaignent, mais eux aussi, ils n'ont pas leur devoir. Parce qu'un bon citoyen, tu dois, les deux vont ensemble. Droit, devoir. Tu remplis ton devoir, tu revendiques ton droit. Mais tu ne peux pas en fait, oublier ton devoir et revendiquer ton droit. Je disais souvent, en fait, je disais la semaine passée à Tchad, le Tchad nous a donné une nationalité. Oui, en tant que Tchadien, mais toi, qu'est-ce que tu as apporté pour le Tchad? C'est des interrogations qu'on doit se poser en tant que jeune. On a devoir à apporter un changement dans ce pays. Dans n'importe quelle action, tu dois être utile pour le pays. Et là, c'est une citoyenneté. On doit être des citoyens responsables et actifs. Tel est en fait l'esprit qui m'a animé pour que je puisse initier ce projet qui va perdurer pendant des années parce que je pense que on a commencé, ce n'est pas un projet qui appartient à un deux ans, mais qui appartient à tous les jeunes. On doit être sensibilisé, on doit être un modèle, être des citoyens, un modèle actif pour pouvoir contribuer à la chose publique et revendiquer ce qui nous revient droit. Et donc c'est très important. Raison pour laquelle je me dis, on a construit le pays sur une mauvaise fondation parce qu'on peut construire un pays et espérer avoir un bon pays pendant qu'il n'y a pas de bons citoyens. Raison pour laquelle on n'a qu'à casser la fondation parce que c'est important. On casse la fondation, on essaie de réconcilier la fondation pour avoir une très bonne constitution. Donc, parce que même aujourd'hui, ceux-là qui gèrent la chose publique, c'est là qui sont ministres, ils ne savent pas comment être un bon citoyen. Alors, c'est des choses qu'on doit apprendre à la base. Raison pour laquelle je suis dans les écoles, je suis dans les universités, pour que les futurs cadres puissent comprendre c'est quoi être un bon citoyen, c'est être au service de son pays. Voilà. La citoyenneté est au cœur de ton concert N2A du 16 décembre au Centre des Jeunes Don Bosco. Nous savons tous que l'incivisme est grandissant au pays. Est-ce que avant la date du 16 décembre, tu as pensé à peut-être faire des capsules, ta page sur tes différents canaux, conscientiser la masse à savoir s'approprier de la chose publique tout en respectant? Ouais. Très bien, parce que moi je pense qu'au-delà de ce concert, c'est un projet, il y aura des actions. Il y aura des actions faites sur le terrain et qui sera annoncée par l'arrivée de Chicken Jaffa Coli le 23 février. Oui. Donc je pense donc que ce concert est encore le premier volet. Le premier volet de ce projet. Ok. Donc ce concert annonce le projet et après ça on a des actions dans les rues, dans les écoles, dans le cadre de la sensibilisation, pour que les gens puissent comprendre en fait la notion de la bonne citoyenneté. Et au-delà de ça, en fait, c'est pas un projet qui va seulement en fait, se limiter à un moment, mais aller dans les contrées, dans les villages, parce que c'est ceux-là qui ont vraiment besoin en fait, de connaître. Parce qu'à un moment donné, ils se disent qu'ils sont abandonnés, donc à un moment donné, il faut qu'on les considère et les apprendre comment être un bon citoyen qui doit être au service de son pays. Donc au-delà de ça, il y aura des actions. Et avant cela, moi je pense même en fait, que j'ai déjà commencé dans les écoles, je pense dans les salles de classe pour apprendre en fait, aux enfants ce qu'on appelle en fait, la citoyenneté. Et c'est pas loin également du civisme que les enfants doivent vraiment en fait, apprendre pour connaître pourquoi je dois aimer. Parce qu'il faut aimer le pays avant en fait, de s'investir pour son développement. Donc je crois que ce projet il est important pour moi parce qu'il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses et qu'ensemble, parce que après tout, moi nous convergeons vers la même chose. Si aujourd'hui on a l'électricité, on a l'eau, si aujourd'hui on a tout ça en fait, on sera tous contents. On est tous contents parce que chacun va profiter, chacun pourra profiter en fait de cette énergie là. Donc c'est ensemble que nous pouvons faire les choses et ce que moi je vais encore dire aux jeunes artistes, c'est important que nous puissions bien chanter. Il faut faire face des projets qui peuvent contribuer en fait, au développement. Parce que moi, avec l'internet, vous voyez ce que les autres font ailleurs. Les artistes ne se limitent pas seulement à écrire des chansons, aux concerts, mais au-delà de ça, en fait, ils occupent d'autres espaces qui n'est pas en fait, censé être. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'être artiste, c'est au podium. Non. Moi, je suis désolé parce qu'il y a toujours rêvé d'être cet artiste-là où la présidente peut me consulter pour demander mon avis face à une situation donnée.
Et ça, c'est un artiste que, qui vraiment en fait, qui entre dans la société et qui est et qui est utile. Utile pour sa société. On le sait tous, voilà. Un artiste a une responsabilité envers son pays. Oui, il faut qu'on se rende compte de cette responsabilité parce que c'est pas seulement de bon chanter, de bien chanter, mais savoir comment remplir en fait, son calendrier en tant qu'artiste. Parce que c'est pas, tu fais chanter les gens, à un moment donné, ces gens-là ont besoin en fait, du bien-être, ont besoin d'être bien. Et toi, tu portes la voix. Donc il faut que tu sois utile pour ces gens-là aussi. Raison pour laquelle moi je respecte en fait, toutes ces tendances musicales. Parce que c'est tout ça là, qui fait ce qu'on appelle la vie. Et la vie n'est pas seulement faite de choses sérieuses. À un moment donné, on dit la vie, c'est aussi au fait d'avoir un temps pour s'amuser, pour danser. Et c'est tout ça là qui fait ce qu'on appelle la vie. Mais c'est important que nous puissions se dire qu'on est dans quel pays. Et l'avenir de ces pays dépend de nous parce qu'on a une voix qui porte. C'est un nouveau N2A voilà. Avec des visions élargies. Rendez-vous ce 16 décembre 2023 au Centre des Jeunes Don Bosco à partir de 17h dans la grande cour du Centre des Jeunes. Oui, la grande cour du Centre des Jeunes Don Bosco. Je profite pour faire big up à celui-là que j'ai parié, qui est aujourd'hui sur son lit de l'hôpital Sultan, qu'en 2009, après son concert au Don Bosco, je lui ai dit je ferai la même chose dans ma carrière. Pour dire que non, en fait, ce que tu as fait, tu m'as donné de la force, de l'énergie. Un jour dans ma carrière, je le ferai. C'est à la même place, au Centre des Jeunes Don Bosco, que tu as rempli plus de 3000 personnes à la sortie d'un grand soldat. Je lui ai dit, grand, je ferai la même chose. Et Inch'Allah, ensemble, on fera la même chose. Tu vas relever ce défi. Je pour dire au grand sultan que oui, on est encore là. Ce que tu nous as appris, c'est resté dans la tête. Et puis voilà, c'est pour lui passer un big up et puis voilà, lui rendre hommage sur Agui, une radio qui nous permet en fait de s'exprimer. Et c'est pas anodin, N2A, le fait que tu choisisses le Centre des Jeunes Don Bosco parce que tout a commencé là-bas, Don Bosco, toi. Oui, à tes débuts, tu as commencé au Centre des Jeunes Don Bosco. Également à ce centre-là qui m'a fait donner. Donc voilà, population, ce Mourgue, ce Hollande, ce Birgit, ce Blancher, ce Soja, et Yannigay, ce Drapeau d'Afouk. L'entrée N2A. L'entrée à 2000 normalement. 2000 francs, voilà. CFA. Donc, ce concert citoyen verra la participation de toutes les couches sociales. Et que si tu es tchadien et que tu n'es pas là, on va te retirer la nationalité. Voilà, donc tout tchadien est appelé à être là. Quelle qu'en soit sa connotation, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est un tout citoyen. Tout le monde est impliqué. Voilà, il y aura les politiciens, il y aura des artistes. La non-assistance à ce concert tout le monde. Est une désobéissance citoyenne. Voilà, donc c'est impératif. Tout le monde doit être. Tu as intérêt à être là. Même si tu n'es pas en Djamena, tu envoies quelqu'un qui te connaît, qui est en Djamena, d'aller à ce concert. Il doit te représenter. Voilà, très bien. Rendez-vous ce 16 décembre 2023 pour le concert citoyen de Abana Blamsia, le Blamsia, le résistant N2A. N2A, tu vas rester avec nous puisqu'on va recevoir un artiste qui a quasiment disparu de la scène musicale tchadienne, mais qui refait surface. Un très bon musicien. Oui, très bon musicien. Il va s'exprimer tout à l'heure, mais je voudrais qu'on puisse écouter ce titre. Je dirais que c'est l'un de nos coups de cœur de son maxi single sorti seulement hier, 9 décembre 2023. Le titre, c'est Don't Stop. Et juste après, Renzo Brown va s'exprimer. C'est ma musique qui prend son envol. Mon avion n'est pas sur le sol. Mon décollage est son monopole. En créant certains l'aura le pôle. La musique est une puissance comme Rommel face à la France. Tu veux des hits, fais-moi confiance. Je t'en donnerai en évidence. Ne vis pas ton passé. La musique va t'emporter. Redresse ton drapeau. Boomba clap. Don't stop the music. Make people dancing. Hey, hey. We run the world with the power, joy and a peace. Love is so sweet, living is better. We run the world with the power, joy and a peace. Love is so sweet, living is better. We singing na 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 na. Wanna make people dancing. We singing na 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 na. Hey hey. Écartez-vous, l'avocat nous anime. À la barre, un témoin anonyme. Monsieur le juge est contre la rime. T'aimes pas la zik, tu nous abîmes. Tu vois comment la zik stoppe tes peurs. Sa puissance en elle te jette les fleurs. On veut toucher au-delà de vos cœurs comme un roman suit un best-seller. Boomba, basta. Je me mets en mode rasta. Je me confie à Dieu. Allah, la couronne, je l'ai pas rassa. C'est depuis qu'on m'appelle Masta. Mon public crie Allah. Je viens de loin, suis un pacha. C'est. Feel free, enjoy life, oh my love.
Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Adji et dans l'émission Musique Promo numéro 1 sur tous les tubes. Toi-même tu sais, à l'instant Don't Stop, le titre extrait du nouveau maxi single de Renzo Brown. Renzo Brown qui refait surface après un moment de silence. Bonne arrivée Renzo Brown. Merci. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui a dû se passer? Pour des raisons personnelles. Donc il fallait mettre une pause un peu avant de revenir. C'est ce genre comme reculer pour mieux sauter fait. Alors, tu ne nous développes pas tellement la cause. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette pause, Renzo? Qu'est-ce qui a dû se passer réellement? Je dirais toujours personnel, donc je le garde là, entre guillemets. Problème familial? Non, pas un problème familial. Où il fallait se chercher pour se positionner avant de revenir. C'est toujours personnel. On ne va pas demander plus, Renzo Brown. En ce jour, tu viens nous présenter ton maxi single estampillé Hop. Hop. Ah oui, traduction en français. Espoir. Espoir. Pourquoi espoir? Parce que imagine notre société actuelle là où on vit maintenant. Si tu n'as pas d'espoir, je ne pense pas que tu pourras surmonter certaines choses. Quelqu'un me disait dans la blague là que nous amène à la normalement. Quand tu vis au Tchad, là, tu arrives à l'enfer, on doit t'envoyer directement au paradis, au fait quoi. Donc, ça dit, tu vois tout ici. Donc, tant que tu n'as pas cet espoir, je ne pense pas que tu pourras faire quelque chose. Parce que là, tu vas voir les autres évoluer. Pour toi, tu penses que non, tu es en retard. Et si tu n'as pas d'espoir, tu ne peux pas, au fait, te sursauter sur toi-même pour développer ton talent en toi, en fait. Donc, le mot espoir est actuellement le mot qu'il faut aux Tchadiens. Espoir pour tous les Tchadiens de toutes les couches. Toutes les couches. Oui, sociales. De toutes les corporations religieuses, que ce soit politique. L'espoir, on dit l'espoir fait vivre, l'espoir fait grandir. Tu reviens avec ce maxi single, c'est sorti hier, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Un maxi single de 4 titres. Nous aurons le temps de parcourir encore un autre titre que nous allons écouter tout à l'heure. Quel est le titre phare de ton maxi single, ton titre coup de cœur des 4? Je ne peux pas me situer, mais en fait, je vois le Don't Stop, genre comme un truc... Oui, qui peut passer dans les clubs. Qui peut passer. Oui, dans les discothèques, oui, ça reste aussi notre coup de cœur à Musique Promo. On te connaissait... De 10 ans. Oui, plus de 10 ans, tu t'es fait un nom sur la scène musicale tchadienne. Avec ton retrait, selon toi, qu'est-ce qui a pu évoluer? Que trouves-tu notre musique actuelle? Est-ce que les ondes sont positives? Est-ce que les trucs sont en train de bouger selon toi? Les ondes sont positives et chacun essaye de faire de son mieux pour avancer. Et c'est ce qui me plaît. Chacun fait de son mieux pour évoluer de son côté et faire entendre la culture tchadienne. C'est ce qui est important. Avec ce retrait, est-ce que tu t'es dit, c'est vrai, la musique elle est là, la passion elle est là, mais de l'autre côté, il faut se chercher peut-être, puisqu'il y a la famille aussi qui est là. Exactement. Et c'est pas facile. Et pour ce retour justement de ce maxi single, Hop, c'est juste après, il y aura des séries de concerts prévus. Exactement, il y a déjà un concert prévu, le 22-23 à Gosbeida. Oui. Et après ça, je lui ferai une tournée dans quelques villes du pays. Et Njamena sera aussi d'ici 2024. Donc, pour ce maxi single, tu as voulu juste le mettre sur les plateformes ou. Ça se commercialise en version physique. Et je pense que ça va être les deux, en fait. Quoi. Les deux parce à que, la fois, tu as conjugué les deux. J'ai conjugué les deux parce qu'il y a des gens qui veulent te soutenir dans ce que tu fais. Ils ne savent pas comment le faire. Il fallait le faire écouter ce que tu fais. Donc, c'est aussi important de partager ce que tu aimes à ce public-là. Et la version physique de ce maxi single est à combien? À 5 000. Juste 5 000 francs? Juste 5 000. Pourquoi 5 000? Actuellement, il faut d'abord mettre la balance sur l'état social. Tu essaies de sentir le terrain. Oui. L'état social du pays, oui. Comment les gens évoluent et comment les gens font. Et je pense que 5 000 est raisonnable pour la personne. On va écouter un autre titre toujours. Mon cher Renzo Brown, extrait de ton maxi single Hop. C'est le titre Change pas. Ne change pas. Belle gang, que toi, Renzo Brown, est en mode love. On écoute, on en parle juste après. Mais
Peter Brown. Au début, c'était léger, t'aimes, l'amour est devenu haine. La jalousie, parfois, t'as pour la peine, et mon garde la face sereine. Are you still with me? Would you stay by my side? Without wings, I can fly. Please don't say goodbye. Ah, 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 ah. L'amour ne vit qu'en se déchire. Ah, ah, ah. Dans mon téléphone, tout est le nu, tu bourdonnes. L'amour ça brûle, et pardon, on ne choisit pas ce que tu donnes. Tu veux prendre de l'autorité, mais ne cherche pas à m'abaisser. Ma vie déjà n'est pas un modèle, montre-moi mon potentiel. Hey, hey. L'amour ne vit qu'en se déchire. Pour guérir l'amour flétri. Ne me change pas complètement. Sentiment de l'extérieur et la peine de l'intérieur. Mr. Brown. Mobe karamita ngawole mama. Mobe karamita denelbo baba. Je voudrais. Change pas le titre, elle serait du maxi single Hop. Ce maxi single de 4 titres de Renzo Brown. Après, l'amour, c'est la haine, c'est la déception. Est-ce que tu partages l'avis de ce cinéaste français qui dit que l'amour dure 3 ans? L'amour dure 3 ans, je ne sais pas en fait quelle Au est début, sa motivation. C'est le Big Love, on est accro. À la première année, à la deuxième année, toujours on est accro. Et à la troisième année, juste après, les choses commencent à un peu changer. Il y a une lassitude qui s'installe. Est-ce que tu partages l'avis de ce cinéaste? Je dirais pas ce que je partage parce que, en fait, vous venez d'abord de deux mondes différents, deux éducations différentes. Pour moi, en fait, la meilleure des manières, c'est de laisser vos deux côtés de l'éducation, du truc là, de forger vous-même une autre éducation. Parce que quand on cherche à changer quelqu'un, quand on cherche à avoir l'image d'une personne qu'on sait de sa vie, on veut la personne parfaite. Or, cette personne parfaite n'existe jamais. Donc il fallait juste mettre une balance, accepter tel qu'on est et puis continuer la vie au fait. Quelle est ta définition de l'amour? Pour toi, tu définis l'amour c'est dans les moments de joie ou l'amour, les moments c'est difficiles? Comprendre. Non, les deux. C'est une balance entre les deux. Mais la plus profonde est dans les moments de douleur. Là, tu sais au moins ce que la personne ressent réellement pour toi. Parce que lors des moments douloureux, certaines personnes ne sont pas toujours à tes côtés. Donc je pense que c'est là où on tire beaucoup de leçons, c'est dans les moments de douleur. À travers ce titre, change pas, quel message veux-tu envoyer? J'essaye de dire à l'homme et à la femme que l'homme parfait n'existe pas, en fait, quoi. C'est-à-dire, quand tu veux toujours l'homme tout parfait, comme tu la, femme dire, parfaite. La femme parfaite n'existe pas. Tu vas vouloir changer cette femme-là. Non, 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 il faut faire ça. Au finish, il faut comprendre la personne telle qu'elle est et essayer d'améliorer. Donc voilà pourquoi je dis dans le refrain, ne me change pas, mais complètement en fait. Mettre aussi le pardon, le dialogue, ouais, au cœur de cette relation. Ben, tu vas aussi rester avec nous tout comme Deza. On va recevoir un jeune talent. Déjà, mais il a passé des années au Niger et il est de retour au pays. Son nom est Ea. Ea, comment tu vas? Très bien, Ernest. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le même plateau avec tes aînés, N2A et Renzo Brown? Vraiment, c'est un grand plaisir. Et on les voit seulement sur les réseaux, nos stars. Maintenant, face à eux, on a même plus le mot, quoi. On n'a même plus les mots. Tu es de retour au pays puisque en même temps tu étudies au Niger. Ouais. Tu vas nous présenter tout à l'heure ton nouveau titre, Mon Essentiel. Pourquoi Mon Essentiel? Bon, Mon Essentiel, ça dépend de comment tout le monde le prend, mais pour moi, c'est que... On reste toujours dans la logique de l'amour. Exactement, oui. dans le cadre de l'amour toujours. Et j'ai chanté ça pour ma petite amie, donc l'essentiel.
une personne est essentielle pour toi. À tes côtés, ouais. Ton titre, mon essentiel est ton vécu à toi. Exactement. Oui. C'est mon vécu et un peu également le vécu de ce que les trucs que je vois dans mon entourage également. Une manière aussi de déclarer ta flamme, ton amour à l'âme sœur. C'est ça. Mon essentiel, exclusivité, nouveauté, le nouveau titre du jeune talent EA. Et ça se passe sur ta radio que l'on appelle FM Agui, musical, phénoménal. Mon essentiel, essentiel. Je vous dis ma go est jolie, son corps est impoli. Quand je la vois dans mon lit, dans mon cœur ça fait lili-li. Ndambéa, Ndagou, Ndorogou, mon bébé. Ndambéa, Ndagou, Ndorogou, mon bébé. Ntagagma sunu, Ntagagma bono, Ntagagma bisiona, Ari mandarari, Angangulia nusunuzia, Ndedari mbe iya, Iye iya votanu, Avotanu eluia. C'est toi mon essentiel, essentiel. Je l'appelle mon essentiel, essentiel. C'est comme ça moi je l'appelle. Quand t'es là t'es l'essentiel, essentiel. Quand t'es là t'es l'essentiel. Dans mon cœur t'es l'essentiel, essentiel. Dans mon cœur tu es l'essentiel. T'es elle mon essentiel, mon corps azote. J'suis devenu un gars fidèle. Juste profiter d'elle. Dans ma tête il n'y a que elle. Juste elle, ça me suffit. Aluna nga ki anu. Mouro kaf anjene mou. Mon bébé, me fait penser à Beyoncé. Ma musique la fait danser. Ma lembe ta la vient danser. Ta démarche a fait tiki tiki. Mais c'est moi qui va la taka taka. On va voyager là-bas, là-bas visiter le goudron de Pala Pala. Et c'est toi mon essentiel, essentiel. C'est toi bébé. Je l'appelle mon essentiel, essentiel. C'est comme ça moi je l'appelle. Quand t'es là t'es l'essentiel, essentiel. Quand t'es là t'es l'essentiel. Dans mon cœur t'es l'essentiel, essentiel. Dans mon cœur tu es l'essentiel. R9 Garanti, Alubi, Tchaladou la proite. Mon essentiel, mon essentiel. Le titre EA, l'artiste, c'est une exclusivité. La chanson n'est pas encore sortie non, officiellement. La chanson sort le 15 décembre, sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. EA, tu au pays, est-ce que pour la famille ou tu prévois déjà être dans les shows? Non, c'est pour la famille, comme on a un peu de congé. Je suis venu visiter la famille comme ça fait des années. Oui, mais tu vas quand même profiter. Et profiter, avoir des relations avec nos aînés, mes aînés d'ici. Vraiment voir comment ça se passe ici également. C'est alors, comment ça se passe là-bas au Niger? Bon, je rappelle que tu as eu domicile à Zinder. À Zinder, oui. Comment ça se passe là-bas? Comment est perçue la musique tchadienne là-bas? Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui se passe ici au pays? Bon, pas tellement. À Zinder précisément, on n'écoute pas trop la musique tchadienne. Les Nigériens n'écoutent pas trop la musique. Mais ils sont carrément pas. Eux, ils sont. Comment dire on est à peu près les mêmes. Sur le même chose quoi. Trop de soleil là-bas. Exactement. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour que notre musique. Notre son arrive vraiment au niveau du... Déjà, le rappelait même tout à l'heure, ouais. On impose à notre public plutôt, d'aimer notre musique. On doit changer cette mentalité, ouais. C'est-à-dire arriver à une décolonisation mentale du public, consommer et à accepter notre musique. Cher monsieur, on va devoir se quitter. On se quitte sur cette chanson du jeune Ea. Le titre, c'est « Tu Light ». Portez-vous bien. Salut. Aïe, aïe. Me dévisager, déjà vu tort, qu'un jour les jaloux vont changer fort. J'ai fait le mort avec eux, la joie beaucoup maillé. Je dois mouiller, toujours mouiller, oui le maillot mouillé. Tu connais la devise, on va piller, on va bosser dans le silence. Et dans le silence, le chemin est silence. Ici on a peur de personne, parce que la voix c'est pas bon. Non, non, je suis c'est à mon